Le café, ça rend nerveux, c'est bien connu et ça se voit avec la guerre des capsules que se livrent aujourd'hui Nespresso et ses concurrents, toujours plus nombreux. Entre eux, tous les coups sont permis. Le petit noir comme polar industriel, c'est un reportage de Philippe Lugassi. Chez Denner, c'est reparti avec les capsules concurrentes de Nespresso. On les retrouve en rayon en Suisse alémanique après une absence de 3 mois. Nespresso n'est pas parvenu à interdire la concurrence par voie de justice et le discounter salive déjà. Malheureusement, je ne peux pas donner des chiffres, mais quand même je peux dire que le vente se passe très bien et notre clientèle apprécie vraiment d'avoir l'alternative qu'aux capsules traditionnelles de Nespresso. Les capsules ici coûtent 33 centimes au lieu de 50 ou 55 chez Nespresso. Et la demande est telle que Denner limite l'achat à 8 boîtes par personne. Autre différence, elles sont un tout petit peu plus petites. Et il leur arrive, comme le démontre le journaliste du temps François Pilet, de tomber directement dans le trou sans faire de café. Une manipulation qui est d'essayer de retenir la capsule dans la chambre du bout du doigt. Nespresso essaye d'exclure de la concurrence du marché. C'est pour ça qu'ils changent toujours un peu leur machine. Comme ça, ils peuvent éviter qu'il y ait des concurrents sur le marché. Parmi les outsiders de Nespresso, il y a aussi Jean-Paul Gaillard, un baroudeur des affaires qui a travaillé 10 ans chez Nestlé. Lui va plus loin. Il prétend que Nespresso piège ses machines. Je dirais qu'elles sont piégées, malheureusement le piège, enfin heureusement pour nous, le piège ne marche pas. Nestlé essaie de faire un piège, bon, ils sont ratés. Selon Jean-Paul Gaillard, Nespresso aurait installé des pièges, des harpons, qui viseraient à rendre inutilisables les capsules concurrentes, mais ce n'est pas tout. Cette pièce contient des harpons, qui sont une contrefaçon d'un brevet qui nous appartient. Jean-Paul Gaillard a donc déposé plainte contre Nespresso pour contrefaçon. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'en mars dernier, des huissiers ont effectué des perquisitions dans le temple de Nespresso sur les Champs-Élysées pour y mettre sous scellé des pièces à conviction. Nous avons les moyens de preuve que ces pièces sont bien dans les machines, elles contiennent bien des harpons qui sont en contrefaçon à nos brevets. Nous avons donc pris contact avec Nespresso pour avoir la version de la multinationale vaudoise et surtout d'avoir son point de vue sur ces accusations de sabotage. Nestlé, au travers d'une lettre aimable et très générale, a refusé notre demande d'interview. L'entreprise n'entre pas en matière. Elle précise cependant qu'elle prône une concurrence loyale qui permet de fournir la meilleure qualité de café. Elle ajoute également que les résultats de Nespresso sont excellents et qu'ils atteignent les 3 milliards de francs. En résumé, c'est les harpons qu'on connaît pas et circuler, il n'y a rien à boire. Si Nespresso joue avec les stars, Gaillard, lui, mise sur le biodégradable et sa capsule est 25% moins chère que Nespresso. Ethical Coffee tourne à plein régime, 7 jours sur 7 avec les 3-8. Elle produit à la frontière genevoise, actuellement 1,3 milliard de capsules, investissement plus de 75 millions d'euros, mais la guerre ne fait que commencer. Et nous sommes en train d'installer une usine à une quinzaine de kilomètres, plus en direction de Genève, qui aura une capacité de 2 milliards, 2,2 milliards par année. Les concurrents sont toujours plus nombreux. Dans les rayons du groupe Casino, 9600 points de vente, on trouve à la fois les capsules d'une multinationale américaine, L'Or Espresso, et les dosettes biodégradables de Jean-Paul Gaillard. Notre clientèle essentiellement suisse donc préfère ces capsules parce que justement il y a le côté recyclable et je pense que là c'est très très important. C'est ça, oui. Fini le monopole de Nespresso, cette dame par exemple a passé la frontière pour acheter ici à Divonne les capsules concurrentes. Vous l'avez jamais... Pas encore dégusté. Je vais voir si ça me plaît. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit, votre amie? Eh bien, on m'a dit éventuellement le goût est un peu différent. Ouais. Alors, je vais faire mon essai. Mais vous êtes venue spécialement de Suisse pour l'acheter? Oui, tout à fait. Allez, au revoir. Avec un marché de plus de 3 milliards de francs, la guerre des capsules ne fait que commencer et ça va saigner.